Toujours dans le domaine sanitaire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a réceptionné plus d'un million de doses de vaccin Pfizer, un don des États-Unis d'Amérique, dans le souci de permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre les 70% de la population vaccinée d'ici la fin de l'année 2022. L'occasion a également été saisie pour une visite de l'enceinte du programme élargi de vaccination et l'Institution nationale d'hygiène publique au cours de cette journée du 29 juillet. Serge Déo. Ces dizaines de cartons entreposés au programme élargi de vaccination contiennent un peu plus d'un million de doses de vaccin Pfizer. C'est le don que viennent d'offrir les États-Unis à la Côte d'Ivoire. Une importante acquisition de doses des vaccins qui vient confirmer l'engagement et l'aide des États-Unis aux côtés de la Côte d'Ivoire pour faciliter l'atteinte des objectifs des 70% de personnes vaccinées. La vaccination nous a permis de réduire considérablement le taux de morbidité et de létalité dû au COVID-19 en Côte d'Ivoire. Nous sommes sur le chemin des 70% préconisés par l'OMS, une population complètement vaccinée d'ici décembre 2022. Par ailleurs, 7 millions de personnes attendent leur seconde dose, la dose de rappel. Nous devons faire en sorte de pouvoir leur donner. Chère population de la Côte d'Ivoire, les 1 million de doses reçues aujourd'hui seront transportées directement à l'intérieur du pays. Pour que cela se rapproche des populations, pour qu'on puisse les vacciner le plus rapidement possible. Parce que, comme vous le savez, nous avons eu des congélateurs ultra froids. Nous pouvons aujourd'hui être capables d'avoir des dépôts ultra froid à l'intérieur du pays. Cette donation fait passer aujourd'hui à 24 millions de doses reçues par la Côte d'Ivoire. La journée s'est ensuite poursuivie à l'Institut national de l'hygiène publique. Là-bas, l'ambassadeur des États-Unis a visité l'insectarium après une rénovation faite par l'Agence américaine internationale de développement avant de donner du matériel au personnel. Il s'agit d'une double visite dans le cadre de notre coopération bilatérale en matière de santé publique contre le Covid et contre le paludisme. Mais en fait, notre programme le plus important dans ce pays, c'est la lutte contre le VIH-Sida. Mais aujourd'hui, il est question de Covid. Nous venons de donner encore 1 million de doses de vaccin Pfizer contre le Covid. Ça ramène le total à plus de 9 millions de doses. Et nous avons aussi donné des équipements. Notre partenaire d'exécution de l'USAID, qui s'appelle VectorLink, vient de financer et organiser la rénovation de cet insectarium avec un don modeste d'équipement qui va permettre aux chercheurs ivoiriens d'être mieux renseignés de la situation actuelle. La délégation a mis un point final à cette journée par la visite du centre des opérations d'urgence pour s'enquérir du travail fait. À ce jour, c'est plus de 24 millions de doses de vaccins que la Côte d'Ivoire a reçues depuis le début de la vaccination le 1er mars 2022. Le pays se fixe pour objectif de vacciner 70% de la population au terme de l'année 2022.